Bonjour et bienvenue dans cette méditation pour cette pleine lune du 4 juin 2023. Pleine lune qui aura lieu sous le signe du Sagittaire et également appelée pleine lune des fraises. Cette pleine lune amène un fort besoin de changement, de nouvelles expériences, de faire une pause, de s'évader, de voyage, pourquoi pas. Elle nous pousse à nous accepter, à devenir pleinement conscients de ce que nous souhaitons manifester dans nos vies, dans nos apprentissages, dans la vie sociale, la communication, le partage, les déplacements. Elle nous oblige à nous accepter pleinement avec nos parts d'ombre pour un nouveau départ. Pour manifester ce que nous souhaitons, il est primordial d'être en cohérence avec nous-mêmes et de nous accepter pleinement, d'exprimer pleinement qui nous sommes, d'admettre honnêtement nos désirs. Afin de profiter pleinement de cette méditation, je vous invite à vous installer dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez vous installer allongé, assis, ou même rester debout si vous le souhaitez. Choisissez la position qui est le plus confortable pour vous. Et dans cette position confortable, je vous invite à relâcher tranquillement, calmement, l'ensemble des muscles de votre corps, de votre tête, jusqu'à vos pieds. Prenez le temps de scanner votre corps, votre tête, tous les muscles de votre visage se détendent, s'apaisent. Vous relâchez ensuite votre cou, votre nuque, zone qui est continuellement en tension dans votre quotidien, vous la relâchez totalement. Vous laissez vos épaules s'abaisser. Vous percevez votre respiration plus ample et plus calme. Vous relâchez votre thorax, puis l'ensemble des muscles de votre dos. Vous percevez l'ensemble de votre dos se relâcher, se détendre, comme si votre dos s'étalait, se relâchait davantage. Et vous relâchez à présent votre ventre, vos muscles abdominaux. Vous percevez votre respiration abdominale ample, calme.
et dans cette détente qui s'installe peu à peu, vous devenez pleinement conscient de votre respiration, de l'air qui entre et qui ressort de vos poumons. Toute votre attention se pose sur votre respiration. Vous relâchez à présent l'ensemble des muscles de votre bassin. Vous relâchez vos muscles fessiers, vos hanches. Peut-être pouvez-vous percevoir votre corps plus lourd, comme une sensation de s'enfoncer sur la surface sur laquelle vous êtes installé. Pleinement conscient de votre respiration, vous relâchez à présent vos cuisses, puis vos genoux, vos mollets. Vous relâchez vos chevilles, vos pieds jusqu'au bout de vos orteils. Vous prenez conscience à présent que tout le bas de votre corps est détendu, relâché. Pleinement présent à votre respiration, je vous invite à présent à relâcher l'ensemble des muscles de vos bras. Vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains et jusqu'au bout de vos doigts. Peut-être pouvez-vous percevoir les sensations de picotement à l'intérieur de vos mains. Et à présent, vous prenez conscience que l'ensemble de votre corps est complètement détendu et relâché. Dans votre corps détendu, relâché, je vous propose de vous imaginer balader en pleine nature. Observez l'espace autour de vous, la végétation. Il fait nuit, mais la lumière est présente. Grâce à la pleine lune qui vous éclaire. Vous observez la végétation autour de vous, les arbres. Vous pouvez entendre le bruit des animaux nocturnes. Vous êtes rassuré dans cet endroit. Tout est calme, serein. Et vous vous mettez à marcher. Vous observez le sol sous vos pieds. Et percevez au loin
un bruit d'eau qui coule. Attiré par ce bruit, vous poursuivez votre chemin. Et vous tombez sur une grande cascade devant vous. Vous l'observez et vous remarquez que l'eau de cette cascade a une couleur dorée, or presque. L'eau scintille. Il fait bon dehors. Et vous décidez d'aller goûter l'eau de cette cascade. Vous vous mettez en dessous de cette cascade. Vous sentez l'eau à température idéale se déverser sur vous. Eau divine permet de vous laver de tout ce qui a pu vous encombrer durant cette vie. Vous allez pouvoir libérer tous vos corps subtils et votre corps physique. Vous débarrasser, vous laisser nettoyer par cette eau divine. Pour cela, je vous propose d'imaginer vos corps subtils un à un, en commençant par le plus éloigné. Votre corps divin, de couleur violette. Imaginez la cascade, nettoyez l'ensemble de ce corps subtil. Tout ce qui a pu s'y loger comme traumatisme. Vous le laissez se laver et la cascade emporter tous ces traumatismes, ces blessures présents sur votre corps divin. Une fois votre corps divin nettoyé, je vous invite à imaginer votre corps subtil spirituel de couleur indigo. Et de laisser la cascade le nettoyer à son tour. Les blessures, les traumatismes. Tout ce qui a pu se loger sur votre corps spirituel. Vous laissez cette eau divine l'emporter, le nettoyer. À présent, je vous invite à imaginer votre corps causal, de couleur bleue, relié au chakra de la gorge. Vous allez de la même façon imaginer cette cascade, nettoyer l'ensemble de votre corps causal. Tous les traumatismes, les blessures,
tout ce qui a pu se loger dans votre corps causal, depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui. Je vous invite à présent à vous relier à votre corps mental de couleur vert et à laisser une nouvelle fois cette cascade laver l'ensemble de votre corps mental, d'enlever les croyances limitantes, les jugements, tout ce qui peut entraver votre quotidien. Laissez cette eau divine nettoyer l'ensemble de votre corps mental. À présent, je vous propose de passer au corps émotionnel de couleur jaune. Une nouvelle fois, vous allez imaginer ce corps se faire nettoyer par cette eau divine, enlever les traumatismes, les blessures, tout ce qui a pu se loger dans ce corps subtil. Je vous invite à présent à imaginer votre corps éthérique, corps qui est le plus près de votre corps physique. Et de la même façon, vous laissez cette cascade nettoyer, épurer votre corps éthérique, le nettoyer des traumatismes, des blessures qui auraient pu s'y loger. Je vous invite à présent à vous connecter à votre corps physique, corps qui vous sert au quotidien, dans la matière, et à laisser cette eau divine vous nettoyer, vous purifier. Et tout en imaginant cette eau vous nettoyer, vous purifiez, je vous invite à répéter après moi. Je choisis de m'aimer tel que je suis. Je choisis de m'aimer tel que je suis. Je choisis de m'aimer
tel que je suis. Je suis aimé pour qui je suis. Je suis aimé pour qui je suis. Je suis aimé pour qui je suis. Je choisis d'aimer les autres tels qu'ils sont. Je choisis d'aimer les autres tels qu'ils sont. Je choisis d'aimer les autres tels qu'ils sont. Je vous invite à savourer pleinement cet instant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rester sous cette cascade, le temps qui sera juste pour vous. Profitez pleinement de ce nettoyage, divin. Vous pouvez choisir de tomber dans un sommeil réparateur et de vous réveiller en pleine forme le lendemain, ou de reprendre votre vie, le cours de votre quotidien, en vous sentant en pleine forme, purifiée, énergique. Merci.